Alors, au mois de mai, c'était celui-ci que j'ai réalisé entièrement au polychromos. Voilà, j'ai tout fait au polychromos. Bon, il n'y a rien de plus à dire. Là, non, là, ça c'est de l'encre. Ça c'est de l'encre. Tout le reste c'est au polychromos. Ensuite, j'ai fait celui-ci entièrement à l'aquarelle. J'avais mis une couche de gesso par en dessous. À l'aquarelle et là, crayon de couleur. Alors, je ne sais plus lesquels, peut-être polychromos. Et j'ai fait les bordures avec du Posca blanc. J'ai fait celui-ci que vous avez déjà vu sur YouTube. Alors, ça, c'était pour le Tago Ink 3. Voilà, une chose qui nous fait peur. Et la chose qui me fait le plus peur, c'est un animal. En fait, il y en a deux. Ce sont les araignées et les serpents. Alors là, j'ai utilisé du brusho pour faire le fond et des crayons de couleur. Non, pas de crayons de couleur et que des aquarelles. Et évidemment, pour le blanc, j'ai utilisé du Posca blanc. Alors le brusho, je l'avais laissé trop agir. Vous voyez, celui-là a transpercé. Ce n'est pas grave, mais bon, c'est ennuyeux quand même. Alors surtout celui-là, ce dessin-là. Ensuite, j'ai fait ce coloriage-là. Alors, tout au Albrecht Dürer, au crayon de couleur aquarellable Albrecht Dürer, à part ici où j'ai mis là j'ai mis de la peinture acrylique parce que j'avais voulu faire un effet au Albrecht Dürer et cela ne m'a pas plu du tout. Bon, bah, j'ai tout barbouillé en acrylique. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui, bon, ce coloriage me plaît assez. Pour une fois que je vais un peu plus dans la douceur, me direz-vous. Fait entièrement au crayon de couleur polychromos, celui-là. Là, j'ai utilisé que les polychromos. Je pense, alors celui-ci, je ne sais plus si c'était avril ou mai. Bon, ben, non, je crois que c'était avril. Alors, celui-ci a été fait pour la Colossal Nights Anna Carlson 2023 avec Isera Color et Virgin Colo. Et comme j'aime bien faire les doubles pages, j'ai fait celui-ci à côté. Alors là, uniquement en crayon de couleur. Et là, j'ai utilisé un pad d'encre avec des petites projections d'eau. Voilà celui-ci. Celui-ci a également été fait au mois de mai. Alors, tous les serpents, oh là, je les aime pas. Alors, c'est pareil. Si je les touche sur mon livre, ça va. Ce sont comme les araignées. Les serpents ont été faits au crayon de couleur et le fond à l'aquarelle. Voilà, c'est le dernier du mois de mai. Allez, on va l'enlever. Il est trop pas. J'ai l'impression que c'était celui-ci le bonus du mois de mai. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.